Favoriser la cohésion sociale entre ses employés et la pratique du sport en général, c'est l'un des objectifs de la filiale Lydia Ludique. Elle est d'ailleurs connue pour organiser depuis plusieurs années des activités sportives. Elle a 5 ans, le club de sport de la société. C'est pourquoi, tôt dans la matinée de ce jeudi 1er novembre, une marche sur une distance de 6 km s'est effectuée, partant de leur siège pour Family Beach, tous les membres de Lydia Ludique se sont mobilisés. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Qu'en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Yolele, aujourd'hui j'ai triomphé. Yolele, ma vie a changé. Le gouverneur Chalaruna, Christian Obouditier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzani, ta vie a changé, oh. Yolele, oh. Aujourd'hui tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Yolele, oh. Ma vie a changé, oh. Yolele, aujourd'hui je triomphe. Voilà. Capitaine Bamoussa Bamba, en bivoiture, Kenzo Cash Money, Yves Télosane, Steven Cetelo, Moussa Stéphane. Et voici un bon abonnement, est devenu grand joueur, camarade. C'est parce qu'il a bataillé, Capuzzo le lit par la foi. On peut dépasser des montagnes, c'est que par certaines fois tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de Nouvelle, est devenu grand patron. Boum, c'est parce qu'il a bataillé. Si Lucien, si par la foi, on peut déplacer les montagnes. C'est que par certaines fois, tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malory, ma vie a changé. Aujourd'hui, je suis en train de jouer la merveille. Azerbaïdjan le mystérieux, Loulou Cacharel, c'est la victoire. Danser tu fais boss, tu veux pas danser tu fais boss, yeah. Danser tu fais boss, parce que ta main. Non mais bye. Chaque qui ne font que regarder. Tu fais
Family Beach qu'a eu lieu diverses activités sportives, dont le match de football féminin qui a opposé les femmes de Lydia Ludique au Lyon du Femina Gym Club. Après les 20 minutes de jeu, le score est resté vierge. Ce n'est qu'après le tir au but que les Lyon de Femina Gym Club sont ressorties gagnantes, 1-0. Bien sûr, la tentative de partie, non. Attention, bien joué. Nous sommes tous contentes, comme vous le voyez, très très heureux et d'abord tout ému. On n'y croyait pas parce que, au fait, c'est un club de sport, de gym pour le maintien de notre forme. La base c'était ça, mais c'est ajouté encore le football. On vient de redécouvrir une autre passion et je suis sûre que les jours à venir, on va émerger. Nous sommes très contentes, comme vous le voyez. Génial. Vous le lirez. Notre présence en ces lieux ce jour est justifiée par une invitation qui nous a été adressée par les responsables de Femina et de Lydia Ludique dans le cadre de la 5e anniversaire de leur groupe de sport d'entretien du service. Nous avons voulu aussi que nos femmes sortent du cadre habituel dans lequel nous travaillons. Et la raison, voilà les raisons pour lesquelles nous sommes venus ici marcher avec eux pour nous mettre en bonne santé. Nous sommes trop contents. Nous n'avons pas préparé l'événement en tant que tel. Les filles ont été disciplinées, elles ont respecté les consignes et bien, ça a donné ce que ça a donné. Nous sommes contents. Évidemment, c'est une grande joie pour nous parce qu'on a souhaité rafler. Tout raflé même d'ailleurs. L'initiative de cette marche d'aujourd'hui et des marches pour la santé en général ont été à la base initiées par le club de sport de la société. Donc il était décidé que tous les jours fériés, nous ferions une marche pour la santé qui réunirait le maximum de personnes possible. Malgré l'horaire normalement moins sportif que les hommes, beaucoup de femmes mettent beaucoup d'énergie et beaucoup de tactique justement dans le jeu du football. Les joueuses sont reparties avec de nombreux kits. Quant aux Lyonnes, elles repartent avec le trophée. C'était également l'occasion pour Lydia Ludique de présenter le trophée de vice-champion qui leur est revenu après la 9e édition du Challenge Entreprise et Institution. Après la dernière édition, je vais plutôt dire la 9e édition du Challenge Entreprise Institution, vous savez que notre équipe Lydia Ludique a été vice-champion et nous avions fait une cérémonie officielle au cours de laquelle les joueurs ont été reçus par le directeur général et il a eu donc la présentation du trophée. Alors il a pris donc aux joueurs ce matin de présenter le trophée à tous les supporters qui ont fait le déplacement du centre d'amitié et qui ont poussé l'équipe depuis la première journée jusqu'à la finale. La journée qui s'inscrit dans le cadre du 5e anniversaire du club de sport de la société Lydia Ludique s'est achevée avec des moments de festivité, de relaxation, toujours à Family Beach. L'équipe a été créée avec certaines personnes et je rends hommage à ces différentes personnes qui ne sont pas avec nous. Je veux nommer mon prédécesseur, M. Adeyemi. Il n'est plus avec nous. Donc pour les 5 ans là,
C'est en son honneur on a voulu le faire. Et je vois que ça a été bien organisé. Nous sommes dedans. Je vais dire que l'objectif a été atteint. L'équipe féminine de PEFACO existe depuis plus de 5 ans. C'est notre deuxième sortie pour le foot cette année. Je dois également remercier notre directeur général qui depuis 5 ans a pris avec nous à bras le corps l'activité sportive au sein de la société. Tout a commencé depuis 7h30 du matin ce matin. C'était 7h30 du matin où nous avions fait une marche sportive depuis la direction de Lydia Ludic. Cette marche a échoué dans un premier temps sur la plage Family Beach où nous avons fait un certain nombre d'activités, des jeux divers et puis un beau match de football féminin qui a été remporté donc par le Féminin Gym Club du Stade de l'Amitié. Ensuite, il y a eu au retour donc de cette marche-là, une collation pour tout le monde et la présentation du trophée de vice-champion, titre que nous avions eu l'année dernière lors du Challenge Entreprise et Institution que notre entreprise a l'insigne honneur donc d'organiser sur les terrains de football de Cotonou et environ. Et nous sommes revenus encore sur la plage, histoire donc de festoyer les 5 ans de vie sportive au sein de notre structure, parce qu'il y a exactement 5 ans, nous avions commencé tout doucement. Depuis 5 ans que le club de sport existe, ça a commencé avec de la gymnastique rythmique, cardiovasculaire, assouplissement, etc. C'est passé ensuite sur de la marche et du footing, et en même temps sur du football. Nous avons une équipe de football qui pratique depuis maintenant plusieurs années et qui s'est intégrée donc à ce club de sport. Dès qu'il s'agit de faire une fête, on peut toujours améliorer. Mais en termes de club de sport, nous allons essayer cette année d'intégrer d'autres disciplines telles que le handball ou le basket au sein du personnel de l'entreprise. C'est tout pour ce 5e anniversaire. Une réussite aussi incontestable est souhaitée pour l'année à venir. Dansez, 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 d